Bon, bah, évidemment, c'est une forte déception, hein, parce que je pense qu'on avait fait une très bonne campagne. On va remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. Je pense qu'on a été les seuls à faire une vraie campagne politique, avec une vraie cohésion politique liée aux valeurs de la gauche. C'est donc une défaite de la gauche qui a manqué d'unité, c'est clair. Tant qu'on ne retrouvera pas cette unité, nous irons au-devant de nouvelles défaites face à la liste de droite soutenue par Xavier Bertrand. C'est un verdict sur lequel nous devons réfléchir. De nouvelles échéances nous attendent, les régionales en 2021, les présidentielles en 2022. Dans l'équipe que nous avions constituée, il y a des personnalités de gauche qui se sont révélées et je compte sur elles pour rebâtir la gauche au Quénois et en particulier la tradition social-démocrate.